Vous. Aujourd'hui, nous allons partager une recette très intéressante. Voilà. Les amis, lorsque vous avez décidé d'implanter votre entreprise quelque part, ça veut dire c'est une entreprise où les gens vont rentrer et sortir. Dans cette entreprise, vous allez vendre ou proposer des services. Je parle de ceux qui prennent des magasins pour faire des bureaux. Voilà. Ça, c'est un secret que m'a confié ma grand-mère. Le plus souvent, les magasins sont situés au bord de la route. Avant de vous implanter ou si vous êtes déjà planté depuis longtemps, vous êtes déjà là, vous êtes déjà installé, c'est ce que je veux dire planté, hein, bon, ceux qui comprennent mieux le français, je veux dire ceux qui se sont déjà installés peuvent aussi utiliser cette méthode, ça peut donner un coup de main. Vous allez compter, quand vous vous arrêtez devant votre magasin, vous allez tendre votre main gauche comme ça et vous allez voir tous les commerçants qui sont dans votre ligne gauche. Vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quand vous allez arriver au 7e magasin, vous allez essayer de ramasser 7 cailloux, 7 petits cailloux dans le sens de la main gauche quand vous êtes arrêté devant votre magasin. Les 7 cailloux de la main gauche, le plus souvent, vous-même, vous passez là-bas. Voilà. Donc, quand vous allez prendre les 7, vous les mettez juste dans un petit sachet ou dans un tissu blanc. Vous allez tendre votre main droite dans l'autre sens. Donc, vous tournez le visage et après vous-même, vous pouvez marcher hein, pour compter. Prenez votre temps, c'est pas pressé. Le plus souvent, ce sont des magasins qui sont déjà là ou des entreprises qui sont déjà là. Vous avez des bureaux, donc vous comptez. Voilà, donc vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e magasin. Vous prenez des cailloux, 1, 2, 3, jusqu'à 7, dans la même lignée du magasin. Donc vous êtes en signe de croix, c'est parfait. Je pense que vous avez compris le message. Ok. Donc, 7 dans le sens droit, 7 dans le sens droit. Et vous allez mettre ça dans les petits sachets et vous allez mettre ça dans votre magasin. Je vous laisse vous-même découvrir cette astuce merveilleuse. C'est ma grand-mère qui m'a montré. Vous-même, vous allez voir. Avant que vous veniez prendre le magasin dans le secteur, vous avez trouvé des gens qui ont déjà commencé à manger la nourriture et la chance dans ce secteur. Ils sont tous là, peut-être depuis longtemps. Alors, ils mangent aussi tout ce qui est déjà là. Mais vous, vous venez juste d'arriver pour ceux qui sont des nouveaux arrivants dans le secteur. Vous aussi, vous voulez avoir la place pour pouvoir manger aussi la nourriture qui se trouve sur ces 7 lignes que vous avez tracé, qui sont là depuis longtemps. Pour ne pas que vous ayez le ventre vide, vous utilisez cette méthode merveilleuse pour avoir de la place dans ce secteur. C'est merveilleux. C'est fabuleux cette astuce. Ça peut aider les gens qui commencent à travailler parce que le plus souvent, quand vous arrivez devant dans des quartiers pour pouvoir prendre des magasins ou créer une entreprise, soit du ménage, soit du pressing, soit vendre de la glace ou vendre des bonbons et tout, vous avez du mal à trouver votre place dans le secteur. Voilà. Et c'est cette astuce que je suis en train de vous montrer pour que vous aussi vous trouviez votre place dans ce secteur pour que vous puissiez aussi gagner de l'argent. Tout le monde. Voilà. Ça, c'est la première méthode. Vous allez maintenant signaler les gens qui sont là que vous aussi, vous venez d'arriver.
ce qui peut-être va pas plaire certaines personnes dans le secteur. Parce que les gens ils ne savent pas que lorsqu'il y a la concurrence, ça permet en fait d'attirer la clientèle. Vous allez saluer ceux qui vont vous répondre et leur dire que vous venez d'arriver et que vous avez installé votre entreprise à côté d'eux. Donc vous dites bonjour, je suis le nouveau voisin, je propose par exemple tel service, la coiffure, le ménage, la nourriture. Si vous trouvez des gens qui sont en train de manger, par exemple, si vous les saluez, il y a d'autres qui auront du mal à vous répondre parce qu'ils ont déjà la nourriture dans la bouche. Ils ne vont pas vous répondre tout de suite. D'autres vont tourner la bouche, ah, même avec la nourriture dans la bouche. Ah bonjour, bonjour, ça va? Et il y a d'autres, ils ont la main dans la nourriture pendant qu'ils sont en train de vous saluer. Ah ça va ma soeur? Ah on est en train de manger, tu peux venir manger aussi? C'est ce qu'il faut faire lorsque vous arrivez dans un quartier. Vous allez voir que vous allez attirer l'attention des gens vers vous. Et la bénédiction qui se trouve déjà sur ces personnes, vous allez vous en procurer. Pour ne pas que vous perdez votre temps dans ce secteur à payer le loyer pour rien ou à payer des factures pour rien. Voilà une petite méthode et un petit secret que m'a confié ma grand-mère qu'on peut partager. Donc je le partage avec vous. Deuxième méthode. Lorsque vous arrivez dans un quartier et que vous avez ouvert votre magasin, il y a des gens qui s'empressent pour venir voir. Ils se font passer parfois pour des clients. Lorsque quelqu'un rentre dans votre magasin et il vous dit bonne arrivée dans le secteur, vous-même vous êtes surpris parce que la personne ne vous connaît pas. Peut-être est déjà passée. Vous allez vous dire que cette personne est passée devant votre magasin. Les amis, si vous ne vous levez pas pour votre vie, vous allez voir des choses qui vont vous dépasser dans la vie. Les petits secrets que je vous donne, ça paraît banal, mais en réalité, ça peut vous apporter énormément de choses. Si vous les essayez quand même, ça va vous donner énormément de chance. Parce que construire une entreprise, ce n'est pas facile, hein? Il y a tout dedans. Soit tu gagnes ou soit tu perds. C'est comme ça. Mais si ça peut aider, je le partage. Il y a beaucoup de secrets pour les entreprises, pour des gens qui font du commerce. Il y a beaucoup de secrets. Mais il y a des secrets qu'on peut partager au grand public et il y a des secrets qu'on ne peut pas partager à tout le monde. Voilà. Mais ce que je viens de vous dire, les petits cailloux, vous les déposez dans votre magasin, dans le même sens. Un dans le sens du côté droit et l'autre dans le sens du côté gauche. Et vous allez voir vous-même des choses merveilleuses. C'est ma grand-mère qui m'a montré tout ça. J'ai trouvé ça rigolo, simple, mais ça aide. Ça aide beaucoup. Voilà. J'ai partagé et je vous laisse déguster comment c'est doux. Vous-même, vous allez en parler, les amis. Partagez les vidéos.